Hello Bon on va faire un petit puzzle de coding game, infacile, parce que je suis un peu rouillé, et puis que c'est difficile quand même. Alors, euh, donc c'est infacile, donc c'est de l'algorithmique de base, hein, c'est quelques boucles. Alors est, quel est le but de l'exercice On a des températures, voilà un exemple de relevé, il faut les analyser, et euh, il faut envoyer la plus proche de 0 en valeur absolue, c'est-à-dire que là dans leur exemple, c'est moins 1, la plus proche de 0. Donc il faut comparer les températures, garder la plus proche de 0. Il y a quelques règles spécifiques. S'il n'y a pas de relevé du tout, il faut renvoyer 0. Et si on a un, un cas où par exemple j'ai moins 1 et 1, donc j'en ai deux identiques euh, tout aussi loin l'une de l'autre que 0. Euh, que l'autre de 0, là on va garder la valeur positive. Donc si j'ai plus 1, moins 1, euh, il faut que je garde plus 1. D'accord Et donc il nous donne deux strings sur deux lignes, à ça sert ça le scanner, ça c'est le code par défaut. Euh, la première ligne contient le nombre de valeurs, et la deuxième les valeurs séparées par un espace, tout simplement. C'est assez, euh, euh, assez simple, en fait, euh, dans l'énoncé, quoi. Il n'y a pas de piège. Ils disent quoi Écrivez un programme qui affiche la température la plus proche de 0 parmi les données d'entrée. Si deux nombres sont aussi proches de 0, alors l'entier positif sera considéré comme étant le plus proche de 0. Voilà. Donc il nous donne quoi euh, On a déjà n qui est le nombre d'entiers à analyser. Euh, number of measure. Values on va mettre, allez. Ensuite on parcourt euh, les valeurs. Et voilà, donc on va tester déjà avec un 6 out. Euh, J'aime pas ce nombre de variable, on va l'appeler value. Que ça nous donne 1-1, 2-8, 4-5, ok. Et le premier jeu de test il est là, 1-2-8, moins moins sinon ils sont ici. Hein. Je test, données simples, et à droite on voit ce qui est attendu quoi. Donc là euh, euh, c'est 1 qui est attendu, ok. Donc bah, ce qu'on va faire c'est que déjà on va se déclarer une valeur int closest to 0. On va l'initialiser avec quoi euh, Je pourrais faire ça par exemple. Initialiser avec la valeur la plus grande. Ou plutôt la plus petite, parce que si jamais j'avais à la fois min et max value, très improbable, c'est max qui gagnerait. Mais euh. Donc il y a plus de chances qu'elle soit swappée quoi. Mais c'est pas idéal parce que c'est ce genre de truc qui ferait un peu des bugs. Je préfère l'initialiser avec le premier élément du tableau. Donc c'est in.nextint, le premier de la liste. D'accord. Et, euh... euh... Et du coup, oui, euh, je réfléchissais. Je dois arrêter à n-1, forcément, euh, la boucle. Sinon, je vais dépasser d'un élément. D'accord, et ensuite bah, ce que je vais faire, c'est que tout simplement au fur et à mesure que je parcours mon tableau, je vais comparer mes valeurs avec la précédente que j'ai trouvée comme étant la plus proche de 0. Donc on va commencer par euh, la première. Mais d'abord, j'ai le, le cas où n vaut 0. Euh... Donc je peux le faire ici si n égal à 0. Alors je mets 0 dedans, sinon je commence à remplir mon tableau. Je vais mettre des parenthèses pour que ce soit plus clair. Donc en fait ça, euh, c'est comme si j'écrivais if n égale 0. Closest to 0 égale 0. Voilà, donc, comme ça je peux le faire dans une seule ligne sur l'assignation. C'est assez commun, donc euh, on n'est pas trop surpris de voir ce genre de, de, de notation. Donc ça veut dire si n est égal à 0, dans ce cas-là je stocke 0 ici. Sinon, le deux points c'est else, euh, je stocke ça. Ma boucle, je rentrerai dedans que si n est supérieur à 1. Donc il n'y a pas de souci. Et donc là je peux afficher mon résultat. Closest to 0. Et donc on disait ici on veut comparer euh, la valeur absolue avec la précédente. Donc ce serait simplement mat.apps de value inférieur à math.abs de celle qui était précédemment la plus proche de 0. Si c'est le cas, je vais stocker dedans la nouvelle valeur qui est la plus petite. Donc là ça va pas remplir tous les cas, mais c'est déjà une première approche. Qu'est-ce que ça donne tout ça Oula, c'est long. Quel suspense. Euh, je fais toujours mes systèmes à d'accord On va les enlever. Donc sortie 1, ok. Donc là, ça a marché. Euh, le cas était plutôt simple. On va voir pour le deuxième. Uniquement des nombres négatifs. Ah, ça a marché aussi, ça c'est cool. Je vais laisser la bonne température. Ah, là, ça a planté. Alors. Moins 5 attendu 5. Quel est le jeu de test Voilà. Donc, de toute façon, c'est simplement une histoire de, de swap, j'imagine. Voilà, on a à la fois moins 5 et 5. Donc 5 en valeur absolue, c'est pas inférieur à moins 5 en valeur absolue. Les deux sont 5. Donc j'ai un autre cas euh... où les deux valeurs absolues sont égales. Mais en fait, c'est plus que ça. C euh... sont inversés en fait. Donc, je pourrais faire par exemple ou... Euh... <coughs> euh, value égale moins euh, l'ancienne. Il ne me propose pas. Et dans le cas où ce serait l'inverse. Euh... Parce que là mettons, d'abord j'ai mis moins 5 dans le plus proche de 0, d'accord Après je tombe sur 5. Donc ce test-là on voit false, parce que de toute façon les deux sont égales. Ou value égale moins l'autre. Là ça va être le cas. 5 c'est bien égal à moins moins 5. Donc je vais le remplacer. Mais si j'avais l'inverse Si j'avais là plus 5 et là moins 5 bah il ferait pareil en fait Moins 5 c'est bien égal à moins plus 5 Et il me remplacerait alors que moi je veux pas, je veux le positif Donc c'est un peu plus fin comme test Il faut aussi que... Value que je vais stocker soit supérieur à 0 et ça, je pense. Ça, on peut le virer. Ça, je pense que ça devrait marcher. On vais déjà revérifier les deux autres. Da! Da! D'accord. J'ai l'impression que ça va tout, tout valider. Ouais. Pas de température, c'est validé aussi. D'accord, on peut virer ce commentaire-là. Ok. Euh... Donc là, on le valide. Mais moi, je l'ai eu dans l'énoncé qui disait de faire des expressions lambda et donc ça veut dire en java utiliser la PI stream et euh, donc ok je le fais pas souvent mais pourquoi pas pourquoi pas euh, l'intérêt d'une expression lambda là Ouais f... pas forcément ça pourrait être j'allais dire ça pourrait être d'externaliser le le code parce qu'en fait ça c'est quoi ça là ça, c'est la règle métier en fait. C'est ce qui est écrit là. Euh... Ouais, ce qui est écrit là quoi. Donc, ça, c'est pas trop technique, c'est plutôt fonctionnel. Ça, ce serait intéressant l'externaliser Et en fait, je suis en train de me dire, une autre façon de le faire, sans même passer par les streams, ce serait d'ordonner la collection avec un comparateur particulier. Donc, on pourrait dire par exemple, tu la trie du plus petit au plus grand. Mais moi, je vais te dire ce que c'est qu'un nombre plus petit, un nombre plus grand, ok donc là, il y a un truc pour faire ça en Java. Euh, c'est collection.sort. Ça, c'est une, une, une méthode de l'API qui est intéressante à connaître. Enfin, collection, c'est une classe de l'API qui est intéressante à connaître. Donc sort, ça prend une liste. Et ça, ça veut un comparator. Donc mettons, j'ai une liste. Ça veut un comparator comparator qu'est ce que c'est que cette bête comparator paramétré super t donc c'est le type donc allons voir comparator euh... ouais c'était bien ce que j'avais avant <laughs> alors comparator type the type of object that may be compared, donc là je vais comparer des integers D'accord. Qu'est-ce que ça implémente Il ça, 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 y a juste une méthode sort qui est intéressante. Euh, compare, pardon. Ça compare deux arguments et ça renvoie un int. Et en fait, bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser. Donc en fait, si O1 est plus petit que O2, ça doit renvoyer un nombre négatif. S'ils sont égaux, ça doit renvoyer 0. Et si O1, de gauche est plus grand que celui de droite, ça doit renvoyer un nombre positif. Ok. Donc collection.sort, euh, mettons j'ai une liste, liste integer euh, invalued. On va l'instancier. Voilà, voilà. mettons j'ai ça, et je vais l'ordonner avec un comparateur particulier. Eh bien, on va en créer un. Donc, private static class comparator. Moi, je compare des integers. D'accord. Et donc, il faut que j'implémente une méthode. Euh, mettons, je ne me rappelle pas. On va aller chercher l'heure de compilation. Euh, oui, non. Pardon temp comparator implements comparator d integer donc là il va pas compiler parce que j'implémente pas la bonne méthode de l'interface dit voilà je suis pas abstrait et je override pas la méthode compare integer integer OK donc public int compare integer v1 t1 integer t2 Ok. Euh, maintenant, par défaut, l'API, ce qu'elle fait, c'est t tout. t2. Tac. Et du coup, là, je pourrais lui fournir ce comparateur en paramètres. D'accord. Et euh, la collection inValues serait triée. Donc, je vais pas trop m'occuper de mon autre process pour l'instant. Je vais juste remplir euh, invalues. Euh, en fait, on va tout commenter. Euh, on commente ça. On vire le moins 1. On commente ça. Et on va se mettre là. Invalues.add de value. Et nous prenons pas la tête, on va juste mettre les valeurs dedans. On va afficher la collection avant et après le sort. Uh -huh. Ça on va le commenter. Réessayons. Alors avant le sort, j'ai quoi J'ai 1, moins 2, moins 8, donc bon j'ai la collection dans l'ordre où elle est fournie. Après, j'ai moins 8, moins 2. Ah, bah c'est bien, ça c'est pas mal, c'est dans l'ordre. Et sinon, avec autre chose. Moins 137, moins 12, moins 5. Moins -5, 5, 5, 5, 5, ok. Donc ça, c'est pas trop trop mal. Et maintenant, comme moi j'ai un comparateur particulier, je peux m'amuser à leur redonner dans le sens où je veux la collection. N'est-ce pas Et euh... donc là, je pourrais mettre ma règle métier ici. Mais avant ça, j'ai envie de vérifier quelque chose. Si je mets juste une méthode statique ici, que j'appelle compareTemps, est-ce que ici, au lieu de créer un comparator, j'ai le droit de référencer ma méthode En faisant nom de la classe, 2.2.compareTemps. Ah Réessayons. Yes, ça marche. Ok. Donc ça veut dire que là, il accepte l'expression lambda. Donc là, je pourrais faire, par exemple, à la place de ça, euh, ouvrir les parenthèses pour avoir des paramètres. Moi, j'ai paramètres t1, t2. Et je fais t t 2 Oups, insert. Donc ça, ça devrait être équivalent normalement. Là, je donne un comparator euh, maison sous la forme d'expression lambda. Ce qui est vraiment équivalent à cette signature-là, c'est juste qu'il compacte au maximum, il infère les arguments à partir du contexte. J'aimerais vouloir de la changer là. <laughs> Mais bon c'est après le sort qui m'intéresse. Euh... Oui bah c'est pas les mêmes... ok ok donc tout ça c'est toujours trié, ok donc finalement on peut se débarrasser de ça. Hop quoique non euh... pour avoir quelque chose d'assez sympa, business rules, on va l'appeler cette classe, cette classe pardon implémenter comparator Oups. et on va mettre cette méthode là dedans et en fait ça on peut imaginer que cette classe elle est gérée par euh, le product owner ou le, ou le chef de projet fonctionnel ou la personne qui est responsable des règles métiers, le game designer dans un, un process jeu vidéo. Peu importe. En tout cas, si vous avez des comparaisons fréquentes dans l'application du minimum au maximum, alors un comparateur externe qui implémente la règle métier proprement une fois pour toutes, qu'on utilise tout le temps, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir chaque développeur qui doit intégrer les règles métiers au sein de ses algorithmes. Et il y a moins de chances que du coup il y ait des tableaux mal triés, etc. Surtout quand vous avez une règle qui est proche du tri naturel. Et qu'il y a une toute petite subtilité, euh, les gens vont pas, pas forcément la voir et risquent de pas de pas retomber sur le comparateur par défaut. Donc, euh, virons ça hein, et récupérons cette notation. Business rules de point de point. Compar, voilà. Réessayons. Bah, cette notation là marche. On a vu. Ok, d'accord. Euh, et si j'ai ma connexion triée finalement, j'ai qu'à récupérer la première, et c'est la plus petite. Donc je pourrais faire euh, invalues.get de 0. Le problème de cette approche, c'est que ça va commencer à m'embêter un peu avec euh, le cas où c'est égal à 0. N'est-ce pas euh, donc on va récupérer notre int closest to 0, et donc si n égale égal à 0, on met 0 dedans, sinon on récupère notre petit minimum, euh, laissons ça en place. Donc là c'est bien, il m'affiche bien le moins 5, d'accord Bon, et maintenant, comment transformer cette règle de manière à ce qu'elle fasse ce qu'on veut Mince. Ben c'est simple, on a vu tout à l'heure que si t1 est plus petit que t2, on doit renvoyer moins 1. Donc par exemple, if la valeur absolue de t1, c'est ce qui nous intéresse, est plus petit que la valeur absolue de t2, je veux return moins 1. Si elle est plus grande, je retourne plus 1. Et le cas général, je retourne 0. C'est-à-dire qu'on est égal. Donc on va copier-coller juste ça. Tac-tac-tac. Voilà. Donc là, par exemple, déjà, on n'aura pas implémenté tout le comportement. Mais de la même manière que tout à l'heure, on a procédé de façon un peu itérative. Là, normalement, on devrait déjà trier le tableau en fonction des plus, du plus proche de 0. Donc euh, euh oui, alors euh, prenons le premier. On a bien sorti 1, ok. Le deuxième, on a sorti moins 5, c'est ce qu'il fallait. Le troisième, on a sorti moins 5, il voulait 5. C'est embêtant. Effectivement, là on a trouvé que moins 5 était plus petit que 5. Ah donc on a le cas aussi où ils sont égaux. Donc c'est ça égal à ça. Et donc le cas où ils sont égaux, je ne peux pas tout de suite décider. Il faut d'abord que je regarde ensuite lequel est positif, lequel est négatif. Quoi. Donc euh, rappelons-nous, je vais mettre la valeur qui m'intéresse tout à gauche du tableau, tout en bas. C'est la plus petite. Donc plus petite, ça veut dire que dans ma vision des choses, plus 5, c'est plus petit que moins 5. N'est-ce pas Donc si ce plus 5, c'est le t1, et que le, 5, le moins 5, c'est le t2, je dois renvoyer moins 1. Pour indiquer qu'effectivement, chez moi, plus 5, c'est plus petit que moins 5. Ok Donc ce test-là, c'est quoi euh, t1 plus grand que T2. Les valeurs untouched euh, signées plutôt sera un mot plus correct. Euh, me permet de décider ça. Donc là je retourne moins 1. Et après j'ai le cas inverse. Et là on peut envoyer plus 1 hein, du coup. Donc le cas où ils sont égaux. Et où cette fois ce serait T1 qui serait négatif et T2 qui serait positif, donc ça veut dire que T2 il est plus proche de 0 pour moi, donc il est plus petit. Donc si moi à gauche je suis plus gros que la version de droite, la méthode comparator elle veut que je renvoie plus 1. Donc c'est bien ce que je fais, d'accord. Euh... Et puis est-ce qu'on n'aurait pas fini là tout simplement Moi je pense que si, hein. euh, ouais, virons nos alors ah ouais. Ouais non allez, testons directement. Quoique on va. Non allez, c'est bien, éducatif. Donc après... avant le sort, 1 moins 2 machin. Après le sort, 1, moins 2. Oh, il était déjà trié ce tableau. Uniquement euh... des noms négatifs. Moins 12, moins 5, donc là on a bien moins 5, moins 12, d'accord. Là, on a bien 5 suivi de moins 5, plus proche de 0, ensuite 12, 21 et tout. Ok. La même chose. Les deux sont inversés dans la source. Or, ça n'a pas changé dans le résultat. Données complexes. D'accord. Et pas de température. Je veux 0. J'ai 0. C'est parfait. D'accord. Donc on peut virer ça. On peut virer ça. Virer ça. Et exécuter tous les tests. Quoi Euh, bah juste... Ah mince Oui. Peut-être tout virer, mais pas la ligne euh... <laughs> qui fait le travail quand même. Il y a une limite à l'optimisation. Hein. Même si la meilleure optimisation, c'est de ne rien faire. Et à un moment donné, il faut quand même répondre aux, aux énoncés. Ok. Ça a l'air de bien se passer. Et donc là, ce qui est intéressant, du coup, moi, je trouve, c'est qu'avec cette solution-là, on peut externaliser la business rule et euh, le mettre ailleurs et donc ça peut être quelque chose qui est géré par des gens qui sont pas des développeurs techniques trop pointus qui ont juste la connaissance nécessaire quoi qui font le pont entre le métier et le, le métier pur et le développement pur et euh, là ce que j'aime pas trop en fait avec cette solution c'est qu'on parcourt déjà la liste une fois on la retrie hmm. c'est pas ce qui est le plus intéressant quoi donc le code pourrait être simplifié en termes d'élégance bon, même si je vire un peu ce qui sert à rien euh c'est pas fou quoi. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser l'API stream euh, de Java et s'en sortir avec un stream. Ce qui permettrait de parcourir la liste qu'une seule fois. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse À cette ligne là, je récupère mon next int. Après, j'ai une liste de strings. Euh... Je vais le faire moi-même, donc je vais consommer ma ligne. In next line, ça existe non Ouais. Donc en fait là je suis... cette ligne là, in next il me donne le caractère 5. Je sais qu'il n'y a rien d'autre sur cette ligne. Donc next line, ça m'envoie à la prochaine. Là je vais consommer toute la ligne et la parser je crois. Pour en faire un table euh, direct. Donc euh va faire ça c'est une string In .split yes donc quand il y a un espace où je veux que tu splits en une nouvelle euh... séquence donc ça va me générer plein de petites séquences ça va me générer 1 moins 2 moins 8 moins 4 5 etc split le type de return c'est un arrêt de string et je récupérerai ça sous un stream. Donc dans la classe Arrays, dans la page Java, il y a une méthode stream qui prend ça. Et ça me renvoie un stream. Ok. On peut aller voir stream. Euh, overview. C'est quoi. Le package de stream... Euh, non. Où est-ce qu'on fait une recherche là-dedans Je l'avais tout à l'heure. Euh, stream. Voilà, voilà. Donc voilà comment ça marche. Donc on invoque un stream et dessus on peut exécuter des méthodes qui prennent des fonctions et qui vont euh, s'enchaîner les unes les autres pour faire un traitement séquentiel sur une liste. Donc c'est vraiment puissant. Donc là par exemple il a, <coughs> pardon, il a une liste de widgets donc on peut imaginer que c'est une interface graphique derrière donc il les stream. Ensuite il fait un filtre. Donc pour chaque widget, il récupère sa couleur, il veut qu'elle soit rouge. Donc ça, ça va lui donner un stream à l'étape d'après qui sera composé que des éléments qui répondent à la condition précédente. Donc en fait, c'est un filter ou un truc comme ça. Ensuite, il fait map to int. Donc ça veut dire qu'il va transformer ça en une liste d'integers au lieu d'une liste d'objets. Et donc il dit quelle est la propriété qui va transformer en int un objet. Donc chez lui, c'est la méthode getWeight du widget, donc le poids. Donc on imagine que le poids c'est un int. Donc le d'avoir des widgets, maintenant, à la fin de cette ligne là, il a des, des poids. Et après, il appelle .sum Et Donc ça lui donne un int simple. Et du coup, il peut déclarer int sum égal. Et là, quand même, il a fait un truc pas mal quoi. C'est derrière, on avait une liste de widgets, il les a parcourus, il a filtré sur la couleur, et il a fait la somme des poids. Et faire ça en une seule ligne, hmm, c'est pas mal quand même. Sachant qu'en plus, derrière, la paye est optimisée et que les mappings entre les collections s'enchaînent vraiment bien. En général, vous avez plus de performances en faisant comme ça qu'en faisant qu à votre sauce. Donc, euh, à moins que vous ayez des traitements particuliers que vous sachiez ce que vous faites. Donc, après, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes différentes flat, flat Map to Double, Find Any. Certaines changent un peu la nature du stream. Il faut le consommer à la fin pour exécuter tout. Donc, euh. C'est quand même une API avec laquelle ça vaut le coup de travailler, de regarder beaucoup de tutoriels, beaucoup d'exemples. Vous en ferez pas le tour en un exemple. Et euh, c'est facile de se perdre un peu dedans, mais par contre c'est vraiment puissant. Et une fois qu'on maîtrise bien ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est un peu de la, de la programmation fonctionnelle. Donc c'est vraiment un sujet euh, top. Et quand on en a marre d'écrire des algos, des forts, des machins impossibles à relire, et qu'on découvre ça, on se dit ah ouais, quand même, euh, c'est balèze, il faut que je m'en serve quoi. Pour écrire du code beaucoup plus propre. Donc là, on va streamer ça, et donc nous, ce qu'on veut, c'est faire un peu comme lui, sauf que d'abord, nous, on veut transformer nos strings en integer parce que ça, c'est des strings qu'on a. Quelle il y a une méthode pour ça, c'est map, un peu comme filter, sauf que au lieu de réduire le nombre d'éléments, je vais transformer un élément en un autre. Donc la méthode pour faire ça, c'est map. Donc euh, moi, j'ai un string, paramètre, et à ça, je vais associer. Integer.valueOf de mon string pour envoyer sous forme d'int à mon string et ça, comme on a vu avec le comparator, euh, si on va voir la méthode map, il ah, y a beaucoup de méthodes map, elle est là, elle prend une fonction, ok, donc ça si regarde ce que c'est qu'une fonction. Le mieux ce serait dans Eclipse, parce qu'en Eclipse vous, pourrez, euh, vous pourriez faire ça en live avec les, la Java Doc et voir les objets, avec le source code, ou dans un autre IDE. Vous pourriez aussi déclarer une classe qui implémente fonction et voir ce qui vous demande d'implémenter comme méthode. Moi je le fais avec le compilateur là de ce truc-là. Sinon je vais voir la doc simplement. Donc une fonction, ça prend une méthode apply, et ça s'applique sur un type et ça renvoie un return. Bon, en fait voilà, c'est une méthode quoi c'est vraiment très con, hein. donc euh, ok et ça va me renvoyer retourne un stream consisting des résultats de l'applying function ok donc derrière, je récupère un autre stream mais bon ça du coup c'est comme si j'avais déclaré new fonction la méthode apply la méthode qui prend en paramètre un string etc et là il infère beaucoup de choses à partir du contexte donc point .map après qu'est ce que je veux faire je récupérer la valeur minimum. J'ai déjà des integers. J'ai déjà un comparateur qui me les met dans l'ordre. Je veux juste la valeur min. Donc de la même façon que lui, il a fait euh, point sum. Moi, je voudrais bien faire un truc genre min quoi. Reduce. Ouais, donc je pourrais faire reduce, mais il y a des méthodes déjà implémentées, je pense. Mine ça me renvoie un Optional du, du même type. Retourne le minimum élément de ce stream, according to the provided comparator. C'est une opération terminale sur le stream. D'accord. Et ça me renvoie un objet Optional, ce qui me permet de gérer le cas nul. C'est cool. Et c'est marrant parce que la somme, ça renvoie pas un Optional. Euh, curiosité quand tu nous tiens Non, il a fait map to int en fait. Et ça renvoie un to int un int stream. Ah, et là-dessus, il y a des sommes. Donc là-dessus, il y a un min, j'imagine. Et ça me renvoie quand même un optional int. D'accord euh, D'accord 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 En fait le min il prend pas de comparator ici C'est un min euh, qui compare les integers Alors que mon min ici Il prend un comparator Or moi j'ai une règle de comparaison maison Donc euh, je vais rester sur mon stream générique Donc point .min euh, Quelle est la signature de la méthode pardon Il prend un comparator bah de la même manière que pour l'autre, je vais lui donner ma méthode qui compare. Voilà. Et euh, ça ne me renvoie pas un, un int, ça me renvoie un optional d'int. Et donc, optional, il faut que je fasse get dessus. If a value is present, retourne the value. D'accord, d'accord. Et du coup, j'ai une méthode genre is null ou quoi. Is present. Voilà. Mais bon moi j'ai pas de. Donc ça c'est top quand on travaille avec des flux distants, etc. Mais là c'est pas mon cas. Euh, donc .get moi je sais que j'ai toujours une valeur dedans puisque le cas 0 je le gère à part. Enfin, peut-être. Euh, D'accord. On va commenter le reste du code. Et en fait, ce que je vais récupérer de ça, ça va être ça mon plus proche de zéro. Et je peux garder mon test. Tac. Donc en fait ça. Je vais le recopier là. Mince. Voilà, pardon. Ce code là au-dessus, à moins que j'ai fait des bêtises, fait exactement la même chose que ce qu'il y a en dessous. Je vérifie que ça tourne, voilà ça a marché euh, donc là je déclarais une liste euh, int.nextInt en fait c'est comme si j'avais fait un parse integer à la main donc mettons après je fais un collection.sort de mes int avec un comparatoire particulier et je récupère la première valeur en fait c'est un peu ça que je fais là d'abord je map en, en int mes valeurs ensuite je les... je lui dis de me récupérer la minimum le tri un tableau complet, je garde que la plus petite. Donc quand même déjà ça va être un peu plus optimisé. Parce que lieu d'allouer un tableau en mémoire dans lequel il va écrire successivement toutes les valeurs. Si on avait un million, on sentirait vraiment la différence. Quoi. Là au lieu d'écrire un million de valeurs, simplement il en stocke une qu'il considère comme le mine. Et quand il a fait le tour, il me renvoie celle-ci. Euh, dans l'autre cas, il faisait vraiment un sort juste pour que je fasse un point get0. Ça utiliser un bazooka pour attraper une mouche quand même un peu. C'est bien si vous avez des listes de 7-8 éléments dans lui. Vous pouvez faire ça, c'est pas... ça va pas être visible, ça va aller tellement vite. Mais dès que vous êtes sur des traitements particulièrement... Enfin euh, pas, pas, Non enfin, dès que vous êtes sur des traitements un peu consommateurs un peu un peu consommateur de ressources, euh, c'est normal de faire un petit peu attention à ce qu'on fait et d'utiliser les outils adaptés. Donc, euh, dès qu'il y a un nombre un peu conséquent d'éléments, ça peut aller vite, hein, euh, pff, rien qu'un explorateur de fichiers ou un truc comme ça dans une application. Euh, si vous avez des dossiers avec je sais pas 1000 fichiers, ça peut arriver. Si vous faites n'importe quoi sur 1000 éléments, euh, avec des strings dedans et tout, ça peut vite mouliner pour rien, et être désagréable quoi Ok, donc là c'est déjà un peu plus optimisé que ce qu'il y a en-dessous Et surtout, euh, niveau agréabilité c'est plus sympa je trouve quand même à lire ça euh, Je pourrais faire ça ou pas Ouais, bon, là, je trouve pas ça super lisible le fait qu'il y ait ça sur la même ligne, j'avoue, ça nique un peu la, ça nuit un peu la visibilité, mais ça va. Ça, ça a l'air cryptique, mais bon, quand on est développeur, on sait ce que c'est. Et euh, c'est juste un test, quoi, sur la même ligne, ce qui évite d'écrire trop de code. Ce serait moins maintenable avec plus de code, je trouve, moins agréable à lire. Et donc ça, l'intérêt, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut externaliser dans une autre classe. Voilà. Donc on peut sortir seul, mettre dans un autre endroit de l'API, dans une autre librairie, dans un sanctuaire euh, sacré où personne ne peut pénétrer, où les jars sont en lecture seule et, et que les développeurs sont obligés d'utiliser. Allez, faisons tous les tests. Ouh, suspense. Est ce que ça va passer J'ai l'impression que oui. Cool. Donc ça c'est pas mal. Et puis ça produit du code plus réutilisable. Et... Donc on a répondu, on a utilisé des streams, des expressions lambda, c'est pas mal. Je pense qu'on a répondu à l'énoncé et puis on n'a pas fait un truc trop tard à biscoter. Il n'y a pas trop de détours. C'est sûr qu'en perf, le mieux ce serait de rester dans un string, euh, en mode string, en parcourant le scanner, en parcourant les éléments un par un. Dès qu'on rencontre un espace, hop, ce qu'on a accumulé, on le parse en tant qu'int, on fait le traitement au fil de l'eau. Ça, ce serait ce qui même dans un buffer, et puis où on relâche l'ancien, la première partie du scanner, enfin, on pourrait le faire de manière plus optimisée, mais on n'a pas des... Il nous file pas des listes là avec 2 milliards d'éléments, quoi. Donc il n'y a pas de raison de s'embêter. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour ce, cet exercice-là, on va arrêter là.